La rentrée scolaire se prépare dès maintenant. Les ministres aux enfants saisissent cette lucarne de vacances en Christ pour informer les campeurs sur la vie académique. Ce matin, les enfants ont reçu la visite du professeur Kofi Bernard, enseignant au collège pédagogue de Namsoukro. Le but de sa visite, comment préparer une bonne rentrée scolaire. Informer également les agneaux sur les précautions à prendre pour un meilleur résultat en fin d'année. En tant que des enfants de Dieu, il faut d'abord confier son année scolaire au Seigneur, a-t-il signifié. Ensuite, se fixer des objectifs et mettre en place des méthodes pour les atteindre. C'est pourquoi en grand 1, vous notez les précautions à prendre. Précautions à prendre en tant qu'élève. Précautions à prendre. OK? La première des choses à faire, c'est de fixer des objectifs pour l'année en cours. Il faut fixer des objectifs. Il y a l'objectif principal et puis des objectifs secondaires. Pour les classes intermédiaires, leur objectif principal, c'est de passer en classe supérieure. Et pour les classes d'examen, l'objectif principal, c'est de décrocher le BPC ou le bac ou le BTS et tous les autres diplômes. Vous voyez? Et donc, une fois on a fixé ces objectifs, alors, il faut avoir les objectifs secondaires. Pour les classes intermédiaires, je sais que je veux passer en classe supérieure. Mais quel autre objectif je peux me donner? C'est celui d'avoir de bonnes moyennes. Donc, je peux me fixer l'objectif d'avoir 15, 16, 17, 18 de moyenne, pourquoi pas? Pour évaluer leur niveau en français, les enfants ont été soumis à une dictée. Cette dictée permettra de révéler leurs lacunes en français pour qu'ils en prennent conscience dès à présent et y travaillent en conséquence. Les meilleurs ont été félicités et encouragés. C'était aussi une occasion pour honorer tous les élèves admis de l'année et les lauréats des examens scolaires. Pour finir, les enfants ont été exhortés à étudier pour briller de par leur travail afin de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ.